Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est ce que nous voulions déjà en 1992, c'est-à-dire depuis bien longtemps. C'est un peu plus d'autonomie dans notre région, un peu plus de développement, plus de tranquillité, plus de sécurité. Alors il y a eu la signature des accords d'Alger. Cela devait garantir le développement de la région. Et en fait, le gouvernement a fait du sabotage en ne respectant pas ces accords. Il a fait le contraire en déployant ses forces de sécurité au nord-est et en proférant des menaces. C'est ce qui explique le dernier soulèvement. Si l'État continue avec cette stratégie, cela va fortifier notre mouvement. On va finir par demander une autonomie de gestion. Et en fait, on ira plus loin que l'accord d'Alger.